Bérangère Virenc ne peut empêcher ses larmes de couler. Son fils Richard, lui aussi, pleure en annonçant son retrait du Tour de France. Elle y croyait cette année, la maman, comme son fils, à une victoire possible dans la grande boucle. Alors le dopage, la suspicion, le scandale qui tourne autour de Festina, elle préfère ne pas en parler. S'il vous plaît, laissez-moi respirer. Richard Virenc a été l'homme le plus entouré. Tout le monde le veut voir, tout le monde veut l'applaudir, tout le monde veut le siffler. C'est un véritable phénomène qui se développe autour de lui. Surveillé, épié, traqué, on appelle cela vivre sous pression. Pourquoi c'est toujours lui qui est attaqué? Inutile de parler de l'affaire, Richard ne s'exprime que sur le plan sportif. Deux heures et demie à peu près. La chaleur est au rendez-vous, c'est bon pour vous, vous aimez la chaleur? Ouais, le soleil, la chaleur, tout, ouais. Tout va bien. Ouais, tout va bien, le moral est bon? Ça va. Virenc affronte une meute de journalistes sans un mot. Il rejoint le service médical, ce contrôle de routine obligatoire se transforme en événement. Premier sourire, quand même, du coureur varois. Et mes ambitions sur le tour, réaliser un bon Tour de France et faire de belles étapes de montagne. La présence de Virenc, en tout cas, continue à susciter des polémiques. Lorsqu'on efface son nom dans le dernier kilomètre, cela provoque la colère de ses supporters. Le camion a pris la fuite, les supporters sont restés. Virenc qui est au départ du tour. À 29 ans, le Français remporte sa quatrième étape dans le Tour de France. Exclu de l'épreuve l'année dernière, Richard Virenc signe à Morzine son grand retour.